Salut, c'est Docteur Love. Comment ça va mes enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 28 de ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad, 28 épisodes, vous vous rendez compte? Je sais, je dis ça à chaque épisode, mais c'est la folie quand même, non? Et oui, absolument, je me suis coupé les cheveux, voilà. Comme ça, j'ai lu directement le mystère dans les commentaires, oui, c'est coupé, absolument. Même si ça ne se voit pas. Mais bref, si tu débarques, je te rappelle que le concept des ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad, c'est que tu me racontes ton histoire de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Donc tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et ce n'est évidemment pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir, que tu sois complètement d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à rajouter ou que tu sois pas du tout d'accord avec moi. Tu es évidemment libre de le dire dans les commentaires, mais précise surtout de quelles questions tu parles parce que sinon on ne comprendra rien. Libre de dire tout ce que tu veux dans les commentaires, bien sûr, tant que tu restes poli et bienveillant, bien entendu. Comme d'habitude, vous avez été hyper nombreux à réagir, donc merci beaucoup, j'ai hâte de regarder toutes ces histoires et je pense qu'on peut donc démarrer dès à présent. Oui! On démarre avec un vrai problème de cœur et un vrai problème de cœur. C'est une jeune femme qui a un très beau prénom puisqu'elle s'appelle Nadia. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nadia, je m'appelle aussi Nadia et j'ai 17 ans. Enchantée. Donc voilà, mon copain et moi sommes ensemble depuis 2 ans et nous nous aimons beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. Mais malheureusement, il est parti s'installer à l'autre bout du monde, ce qui a tout compliqué parce que je ne pourrais pas le voir toute cette année. En effet, il habite très loin, à 15 heures de vol. Effectivement, ça complique les rapports. Aucun de nous deux ne veut rompre. Il dit qu'il voit un futur avec moi, qu'il veut étudier en France avec moi pour qu'on soit ensemble. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce qui pourrait se passer cette année. Il pourrait perdre ses sentiments pour moi, rencontrer de nouvelles personnes et m'oublier. Je lui fais confiance et lui aussi, mais j'ai parfois des doutes. Bah soit tu lui fais confiance, soit t'as des doutes, enfin. Cela fait déjà 2 mois qu'il est parti et tout va pour le mieux, mais il reste encore beaucoup de temps. Effectivement, il reste encore 10 mois. Je ne sais pas si je devrais continuer ou juste m'éloigner de lui et souffrir. Qu'en penses-tu? J'adore ce que tu fais et j'ai regardé toutes tes vidéos. Bisous, hashtag demande à Nad. Ma chère Nadia, si tu as regardé toutes mes vidéos, tu connais mon avis sur les relations à distance. Mais tout de même, reprenons l'histoire depuis le début. Ça fait 2 ans que t'es avec ton mec, t'as 17 ans, donc ça veut dire que de 15 à 17, vous êtes restés ensemble, ce qui est une prouesse parce qu'à cet âge-là, c'est pas évident de rester en couple. Donc ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, tu me dis que vous êtes amoureux, il part 1 an. J'ai tendance à froncer facilement les sourcils quand on parle de relations à distance parce que j'ai toujours tendance à me dire problème. Sauf que j'ai tendance à dire que c'est problématique quand c'est des gens qui sont déjà à distance, qui savent qu'ils vont rester à distance jusqu'à dans très longtemps et qui se mettent en couple alors qu'ils sont à distance. Ça, je trouve que c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'histoires comme celle-là de on est à distance et on veut déjà se mettre en couple alors qu'on habite encore à distance que je ne prends même pas parce que ça me fatigue trop de donner mon avis là-dessus. Je pense vraiment que c'est une mauvaise idée et que c'est le meilleur moyen de souffrir. Dans ton cas, Nadia, ça me fait très bizarre d'appeler quelqu'un Nadia, tu me dis que ça fait 2 ans que vous êtes ensemble et là, il part à l'étranger, ok? Il part loin, à 15 heures de vol, ok? C'est clair, c'est chiant. Vous allez clairement pas vous voir tous les jours. Mais tu sais exactement combien de temps il part. Donc en fait, vous avez une deadline. Alors c'est vrai que tu as raison, 1 an c'est long. On sait pas ce qui peut se passer, on sait pas qui il va rencontrer. Et surtout, on sait pas qui tu vas rencontrer. Et surtout, on sait pas ce qui va se passer de ton côté. Parce que de ce que tu me racontes là, moi j'ai l'impression que ton mec, il s'inquiète pas pour vous, il a l'air très bien. Tu me dis que tout se passe bien, que vous appelez, nanana, que vous envoyez des messages. En fait, y a pas de problème du côté de ton mec. C'est toi là qui me dis oui, j'ai peur de qui il va rencontrer, j'ai peur de ce qui va se passer, etc. Et d'ailleurs, tu me dis toi-même, est-ce que tu crois que je devrais le quitter et souffrir maintenant ou alors attendre, prendre mon mal en patience, blablabla. Effectivement, quand ça fait un moment que t'es en couple, que ton mec ou ta meuf doit partir à l'autre bout du monde pendant 1 an, c'est un gros pari de rester ensemble. Parce que oui, pendant 1 an, il se passe des choses. Oui, tu rencontres des gens. Oui, tu mets ton couple en péril. Oui, tu grandis loin l'un de l'autre. Donc c'est difficile parce que t'es là, tu tiens bon, tu souffres un petit peu, t'essaies d'envoyer des messages, t'es en manque affectif, tu manques de l'autre et tu l'as pas près de toi. Pourquoi au final, très souvent, attendre que l'autre rentre, voir qu'il est enfin rentré et puis se rendre compte que ben ça colle plus parce que trop de frustration, parce que tout le monde a trop changé, etc. C'est pour ça que je dis que c'est un pari. T'as vraiment une chance sur deux qu'à la fin de cette année, vous soyez toujours aussi bien ensemble. Et en fait, c'est là que j'ai envie de te dire, comment tu te sens toi? Qu'est-ce que t'en penses au fond de toi? Moi, de ce que tu me racontes là, j'y crois pas à ton histoire. J'y crois pas à ton histoire de ton côté à toi. Parce qu'encore une fois, tu me dis que bon, bah ton mec, lui, il est toujours fidèle à lui-même, vous vous écrivez, etc. C'est toi là qui me dis, ah, je suis pas trop sûre que ce soit une bonne idée de faire le pari. Je suis pas sûre que ça vaille le coup de souffrir aussi longtemps, nanana. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, si ça fait que 2 mois qu'il est parti, que tout va encore très très bien, et que tu me dis déjà, ah, mais je sais pas trop, peut-être que je devrais le quitter et puis souffrir maintenant plutôt que d'attendre 1 an. Ah mais quitte-le maintenant hein. Si t'es pas assez amoureuse pour au bout de 2 mois d'absence te dire encore allez j'y crois, c'est l'homme de ma vie, je l'aime, je veux rester avec lui, mais change de mec vraiment. Parce que effectivement attendre 1 an c'est un énorme sacrifice. Et si tu te poses déjà la question de oh, est-ce que j'en aurais pas un petit peu marre, est-ce que mes sentiments ils seraient pas déjà un peu partis, passe à autre chose vraiment. Laisse-le vivre sa meilleure vie et son expérience là-bas à l'autre bout du monde. Et toi ben essaie de rencontrer de nouvelles personnes et puis vis ta vie, tu vois. Encore une fois, c'est un énorme pari basé sur un gros sacrifice. T'es amoureuse, ton mec il est loin et vous décidez ensemble de faire le pari que dans 1 an vous serez toujours aussi amoureux et que malgré ce que vous aurez vécu chacun de votre côté vous voudrez toujours être ensemble. Si tu le sens déjà pas au bout de 2 mois, mais vraiment passe à autre chose. Ça ferait
10 mois que vous êtes à distance et il resterait 2 mois, je te dirais bah non, attends, c'est trop con, tu viens de patienter 10 mois, attends encore 2 mois. Mais là, il y a même pas un autre mec, tu me parles même pas d'une petite meuf de son côté ou d'un mec de ton côté. Tu me dis juste que bon bah, tu sais pas trop, ça vaut le coup d'attendre. Regarde ce que disent les gens dans les commentaires par rapport à ton histoire, mais pour moi, si t'es déjà défaitiste alors que c'est vraiment que le début, et normalement au début, tu sais, t'es trop en mode ah oh, mon amour, tu me manques, nanana. Tu sais, généralement, c'est au milieu où tu vois pas la fin arriver, tu dis putain, on s'appelle tous les jours, j'en ai marre, j'ai plus rien à raconter, on est plus sur la même longueur d'onde. Je fais une généralité hein, mais en principe, c'est plutôt au milieu. T'es au bout de 6 mois, quand ça fait 6 mois que vous êtes pas vu et que vous allez pas encore vous voir pendant 6 mois, tu te dis mais c'est pas possible, c'est interminable ce truc. Et là, généralement, il y a une petite période de creux, tu vois. Mais là, ça fait que 2 mois, Nadia. Enfin, fais bien comme tu le sens, évidemment, mais remets-toi en question, je pense, parce que j'ai l'impression que ça baisse de ton côté. Alors peut-être que c'est juste une impression, que toi, tu me fais simplement part de tes peurs et qu'en fait, tu veux absolument que ça fonctionne. Si c'est le cas, et ben reste avec ton mec et bats-toi. Bats-toi jusqu'au bout si tu penses que c'est lui le bon, si c'est avec lui que tu veux être, bats-toi jusqu'au bout. Si tu sens que, effectivement, ce que j'ai ressenti dans ton message est vrai, c'est-à-dire que bon, bah, t'as une petite baisse d'entrain, peut-être que finalement t'aimerais bien aller butiner ailleurs. Va butiner ailleurs, ma belle, t'as 17 ans. Vous pouvez aussi peut-être vous accorder sur le fait que bon, bah, chacun fait ce qu'il veut cette année et puis peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver l'année prochaine. Ce qui en principe est casse-gueule, hein, parce que tu sais, évidemment, au début tu fais genre de rien n'était, genre haha, trop cool, on se remet ensemble. Et puis après tu fais, et alors t'as couché avec combien de meufs et c'était bien et c'était mieux qu'avec moi. Et toi t'as couché avec combien de mecs et c'était mieux, nanana. Et ça crée souvent des grosses engueulades et des petits problèmes, des rancœurs, etc. Mais bref, ça c'est le stade supérieur. Réfléchis à ce que tu es prête à attendre, réfléchis au sacrifice que tu es prête à faire ou à ne pas faire et prends une décision en fonction parce que là, pour moi, ça sent pas très bon. Attention spoil, je sens que je vais m'énerver sur cette question. C'est cette bonne Gertrude qui me raconte une histoire avec son copain qui m'a l'air un peu fermé d'esprit et ça m'énerve déjà. Salut Nad, je dois avoir mon premier rendez-vous gynécologique en septembre pour me faire prescrire la pilule. Jusque là, tout va bien. Ça fait 10 mois que je suis avec mon copain et la communication est fortement présente. Jusque là, tout va toujours bien. Mais voilà, le problème c'est qu'il a été mis au courant de comment se passe un rendez-vous gynécologique et depuis, il bloque carrément car je ne suis plus à lui et le fait de savoir que quelqu'un d'autre va me toucher et me mettre un doigt, ça le bloque vraiment beaucoup. Hashtag demande à Nad. Oh putain. Oh putain. C'est quoi cet abruti? Non mais... Alors, nous sommes donc en 2019, d'accord? Je sais pas quel âge tu as, hein, mais que t'es 10, 12, 14... 20, 30, 50 ans. À partir du moment où tu es une femme, il y a forcément des étapes dans ta vie où il va falloir que tu consultes un gynécologue pour prendre la pilule, quand tu seras enceinte, pour accoucher. Il y a forcément des choses qui vont rentrer dans ta tuche. C'est juste normal. Que ce soit les doigts gantés d'un gynécologue, que ce soit quelque chose pour te faire un frottis, que ce soit un jour un god si t'as envie de t'amuser avec ton mec. Bref, n'importe quoi, ou toute seule d'ailleurs, tu peux t'amuser toute seule avec un god. C'est tout à fait normal que tu ailles chez le gynécologue. Et c'est tout à fait normal que le gynécologue regarde ta tuche puisque c'est son métier au gynécologue. Que ça bleue. Bloque ton mec parce que tu vas devoir aller chez le gynécologue pour prendre la pilule qui au passage est une énorme dose d'hormones pour vous permettre de pas prendre la capote, donc c'est en plus un sacrifice. Et monsieur il est pas d'accord avec ça. Mais c'est quoi son problème en fait? Il préfère que tu tombes enceinte? Il préfère que vous ayez 15 gamins à 15 ans? Mais c'est quoi son délire? Il a été élevé dans quelle caverne ton mec? Il va falloir que tu lui remettes les idées bien en place et très rapidement. Hein. Parce que ça l'embête un petit peu qu'un gynécologue aille mettre ses doigts dans ta tuche. Ouais, ok, d'accord, dans l'idée, on peut comprendre. Par contre que ça le bloque, non, c'est juste hors de question. Il y a un moment il va falloir se remettre à sa place, les gars. Parce qu'en plus les mecs, s'il faut aller chez docteur. Attention, alors là il y a plus personne. Ah, montrez mon zizi, nanana, je veux pas. Toi, t'es là en tant que femme, tu prends ton courage à deux mains, tu vas chez le gynéco. Parce qu'on va pas se mentir, c'est clairement pas le moment le plus agréable de la vie d'une femme d'aller ouvrir les jambes pour se faire ausculter, tu vois ce que je veux dire. Et lui, au lieu de te dire ça va aller, t'es pas trop stressé, il ose se faire passer lui devant, alors que c'est déjà pour lui que t'y vas, enfin pour votre couple, je veux dire, pour te dire que ça le bloque qu'il y ait quelqu'un qui aille mettre des doigts dans ta tuche. Non, mais il est complètement taré ton mec, vraiment, il mérite des claques, il mérite d'être tellement remis à sa place direct. Je comprends pas en fait. Aller voir un médecin, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et si ça le bloque, monsieur, mais putain, mais qui change de meuf? Enfin, je sais pas quelle est ta façon de penser, hein, mais si tu viens m'écrire pour ça, je me doute que ça veut dire que tu te sens un petit peu kéblo toi aussi avec cette idée-là. C'est quoi cette façon de faire? Alors pour l'instant, t'as juste pas le droit d'aller chez le gynéco pour te faire prescrire la pilule? Et puis après quoi, il va vouloir t'accoucher toute seule? Tu vas pas pouvoir aller voir des sages-femmes? Non, mais attends, mais l'époque des hommes de Cro-Magnon s'est révolue depuis un moment, les gars, hein. Il va falloir que tu lui expliques la vie à ton mec et fille ça, je te le dis, parce que rester avec un mec comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, vraiment. Si tu veux un bon conseil, tu l'envoies bien chier, bien vénère ton mec, juste tu le remets à sa place. Mais clairement, rapidement et tranquillement. Parce qu'il y a un moment, il va falloir rester à sa place aussi. C'est ton mec, d'accord, mais ton corps ne lui appartient pas. Et surtout, surtout, à aucun moment, c'est censé être bizarre ou gênant que tu ailles voir un médecin. Juste, c'est pas possible. Vraiment, je suis pas contente du tout et je suis choquée qu'il y ait encore des jeunes en 2019 qui puissent avoir ce type de propos. Vraiment, je suis choquée, je suis dégoûtée pour toi et je te souhaite vraiment que ton mec change d'avis. Et s'il change pas d'avis, vraiment, pose-toi des questions sur votre relation parce que sur la suite, ça risque d'aller que de mal en pire. Vraiment, courage à toi. Aïe aïe aïe, on enchaîne avec une question tellement mignonne et en même temps tellement obvious. Je te lis ça tout de suite. Salut
Finlande. C'est parti, je t'explique tout. Attention, c'est parti les gars. J'ai rencontré un gars sur Tinder, il a 22 ans et moi 19. C'était au mois de juin. Étant militaire, on s'est rencontrés mi-juillet car je travaille dans la même base que lui et le feeling est super bien passé. On rigole de tout et on a beaucoup de points communs. Jusque là, tout va bien. On s'est revus 5 fois, il y a eu bisous et préliminaires et c'était cool à chaque fois. Sauf que les problèmes commencent quand il est parti en vacances. Tintintin. Quelques jours après, pas de nouvelles, donc je lui ai demandé son avis sur nous. Et tu as bien fait, quand on n'a pas de nouvelles, quand on se pose des questions, il faut poser les questions clairement et précisément. Il a dit qu'on avait un très bon feeling et que ça lui plaisait bien, mais qu'il n'avait ni le temps ni l'envie d'avoir une relation sérieuse. Ah, ça le mérite d'être clair. Soit, après ça j'ai pris mes distances et j'ai pensé qu'on allait simplement arrêter de se parler, et tu as eu raison, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Sauf qu'il m'a quand même relancé, le petit bâtard. Il m'a même relancé plusieurs fois les jours suivants, à peu près tous les 2-3 jours. Alors ça m'énerve, putain. Le mec, il sait très bien que tu cherches pas la même chose que lui, mais il te relance, comme ça. Tu sais, il sent qu'il y a un bon feeling, alors après tout, pourquoi pas continuer à se voir, ça m'énerve, quel égoïsme. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai pas cherché à éterniser les conversations parce que je savais pas comment réagir. Je sais pas s'il tient à moi ou s'il est juste indécis, et hier il m'a dit qu'il partait pour 3 mois en Australie en stage. Je l'apprécie vraiment et j'aimerais garder espoir, mais je sais pas si lui aussi tient à moi. Que dois-je faire à ton avis? Oh, ça t'inquiète pas, je vais te le dire. Car il correspond à la plupart de ce que je recherche chez un mec, mais j'ai peur de souffrir et d'être la meuf relou qui s'accroche désespérément. Non, il ne correspond pas à ce que tu recherches puisque tu recherches une relation sérieuse et que lui n'en veut pas. Juste à partir de là, c'est mort, putain! Je n'arrive pas à le mettre de côté, il accapare toutes mes pensées, je pense très souvent à lui et plus j'y pense, plus je l'apprécie et plus j'ai envie de le connaître. Effectivement, on est dans la merde. Bref, je suis absolument perdue dans le brouillard car je suis perdue entre laisser tomber et m'accrocher car je me dis qu'il ne me parlerait pas s'il s'en foutait royalement à l'aide. Hashtag demande à Nad. PS, tu es génial. Merci beaucoup. Alors ma chère Gertrude, t'es dans une belle merde. C'est-à-dire que vous êtes militaires tous les deux, vous étiez dans la même base, c'est comme ça qu'on dit je crois, et le feeling passait bien. Donc c'était vraiment une bonne nouvelle, tu vois. T'avais effectivement trouvé quelqu'un qui avait le même métier que toi, et Dieu sait que quand on est militaire, c'est pas évident, surtout quand on part en mission, de trouver quelqu'un qui nous attende, etc. Donc je suis d'accord, vous aviez les mêmes bases et c'était drôlement pratique. Sauf qu'il t'a lui-même dit qu'il n'avait ni le temps ni l'envie de se mettre en couple. Et le problème c'est que toi, au lieu de t'accrocher à cette information-là, qui est il n'a ni le temps ni l'envie de se mettre en couple, tu continues d'espérer. C'est-à-dire que tu n'écoutes que ce que tu as envie de voir, ça ne veut rien dire, donc c'est-à-dire que tu ne vois que ce que tu as envie de voir plutôt, et tu te dis ah bah puisqu'il m'a relancé, ça veut sans doute dire qu'il tient à moi. Non, si t'as relancé, ça veut sans doute dire qu'il s'amusait bien avec toi et qu'il a envie de continuer à ken avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il veut pas être en couple, il veut pas être en couple. S'il voulait se mettre en couple avec toi, il t'aurait jamais dit je n'ai ni le temps ni l'envie de me mettre en couple. Il t'aurait dit j'ai envie de me mettre en couple, je cherche la bonne personne pour ça. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Donc à partir de là, il faut que t'oublies l'idée de te mettre en couple avec ce mec. Déjà, à la limite, t'amuser avec lui. Oui, pourquoi pas faire des petits bisous, des petits préliminaires comme vous avez fait, c'est très bien. Mais tu ne te mettras pas en couple avec lui. Parce que si t'étais la femme qui allait lui faire changer d'avis là-dessus, il aurait déjà changé d'avis là-dessus, puisque vous êtes vu 5 fois. Et je t'assure que 5 fois, c'est largement suffisant pour se dire oh putain, cette meuf ou ce mec me fait un effet tel que peut-être que finalement j'ai envie de me mettre en couple avec. Ça n'a pas été le cas, donc à partir de là, stop. Je suis désolée, hein, je suis un peu dure, mais c'est la vérité. Et donc, quand tu me dis oui, mais s'il continue de m'écrire, ça veut peut-être dire qu'il tient à moi, nana. Oui, peut-être, peut-être qu'il est très bien avec toi, peut-être qu'il adore coucher avec toi, qu'il adore passer du temps avec toi, c'est pas le problème. Mais le truc, c'est que, étant donné que vous ne recherchez pas la même chose, il y a un décalage. Et à partir du moment où il y a un décalage, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va souffrir. And guess what? C'est toi qui va souffrir parce que c'est toi qui a besoin de plus que lui. Donc c'est très mignon d'espérer, c'est très mignon toute ton histoire, mais d'ailleurs, t'étais hyper bien partie. Tu m'avais toi-même dit que t'avais décidé que t'allais arrêter de lui parler, etc. C'est lui qui réagit comme un gros égoïste, on est d'accord. Mais il faut pas que son égoïsme passe pour de l'intérêt pour toi. Son égoïsme, c'est juste que malgré ce que tu lui as dit, c'est-à-dire que bon, bah toi t'étais un petit peu intéressé. Bon, alors ok, il a été honnête, il t'a dit non, moi je suis pas intéressé pour me mettre en couple. En revanche, tu lui as dit bah ok, moi c'est ce que je cherchais. Et il a continué de te parler. Et ça, c'est égoïste parce qu'il a compris que t'avais un faible pour lui, puisque tu lui as parlé de ça, tu vois. Et il continue de venir vers toi pour récupérer ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'amour, de l'affection et les bras d'une femme en fait. Donc oui, évidemment, tu lui plais, mais non, tu vas pas te mettre en couple avec lui. Oublie cette idée-là, parce que juste c'est mort. Pour en revenir au parcours de ton histoire, parce que c'est quand même intéressant, c'était très très bien que tu te sois dit, bon bah puisqu'on recherche pas la même chose, je vais juste arrêter de lui parler. Le problème c'est que de toute façon, à partir du moment où tu prends ce genre de bonne décision, tu peux être sûr et certain qu'à chaque fois, l'autre revient. Tu sais, c'est le sixième sens de merde qui arrive et qui te dit, oh attention, quelqu'un est en train de m'échapper. Peut-être que je vais aller le récupérer d'abord. Même si on veut pas la même chose, c'est comme ça. La personne revient toujours. Quand tu décides de couper les ponts pour de bon, les gens reviennent toujours. C'est la base, vraiment, que ce soit tes ex ou pas, ça revient. Et je pense que c'est là que t'aurais dû être plus ferme et avec lui et avec toi-même. C'est-à-dire que quand il est revenu te parler, t'aurais dû lui dire, écoute, puisqu'on veut pas la même chose, je préfère qu'on arrête de se parler parce que moi j'ai pas envie de souffrir. Et toi surtout, t'aurais dû te le répéter dans ta tête. Ce mec ne veut pas la même chose que moi, ça sert à rien que je continue de m'investir dans cette relation parce
parce que sinon je vais souffrir. Et preuve en est, tu as malgré tout continué de lui répondre, donc je sais pas si vous êtes revus, mais du coup vous êtes vus quand même plusieurs fois. T'as continué d'espérer parce qu'il continuait de t'envoyer des messages. Tu as vu ce que t'as bien voulu voir, c'est-à-dire le fait qu'il continue de t'écrire en te disant ah bah peut-être que ça veut dire qu'il tient à moi. Encore une fois, il ne tient pas à toi. Tout ce qu'il veut, c'est de l'affection. Et s'il peut avoir de l'affection de ta part, c'est encore mieux pour lui, puisque comme vous êtes déjà vus plusieurs fois, vous avez déjà une petite complicité. Mais vraiment, ça s'arrête là. Arrête d'espérer plus que ça avec ce mec parce que juste c'est pas pratique. Et en plus, vraiment, t'es militaire, il est militaire, ok. Mais peut-être que si tu trouvais quelqu'un qui a une situation un tout petit peu plus stable et qui évite de partir en mission 3 mois en Australie, puis 3 mois ailleurs, puis 3 mois ailleurs, peut-être que ce sera un tout petit peu plus confortable pour toi. Je te laisse réfléchir à ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux que tu coupes un petit peu avec ce mec-là. Tant que t'es pas encore amoureuse de lui, arrête. Parce que tu me dis déjà qu'il est à fond dans ta tête, que tu penses qu'à lui, que plus tu penses à lui, plus t'as envie de le connaître, etc. Non, plus tu penses à lui, plus t'es frustré du fait que vous pouvez pas vous mettre en couple. Donc vraiment, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le taureau par les cornes et de dire stop, j'arrête. Je veux plus te parler, je suis trop à fond sur toi, tu me plais beaucoup trop. Et étant donné que tu veux pas te mettre en couple avec moi, je préfère me protéger et salut, ok? Donc je te souhaite bon courage parce que je sais que c'est pas facile de fermer la porte à quelqu'un qui nous plaît vraiment. Mais là, dans ton cas, t'as juste pas le choix. Courage. Alors c'est ouf parce que c'est le ça veut dire quoi hashtag de Mandanat des relations à distance et des militaires, tu vas vite comprendre en te racontant cette histoire. C'est Rebecca qui me dit salut Nad. J'ai rencontré un mec sur Tinder quand j'étais en voyage en Guadeloupe. On a passé H24 ensemble, on s'est plus quitté depuis la première soirée. C'était magique. Du coup, petit cœur d'artichaut s'est attaché sans rien dire et sans vraiment mettre de mots. Et c'est déjà une mauvaise chose. Quand on s'attache, il faut le dire, c'est important. Même si ça fait peur. Ensuite, on est rentré en métropole. J'ai pris un billet pour aller le voir puisque lui y habite là-bas. Les surnoms par message, etc. m'ont fait espérer. Et puis, après avoir passé quelques jours chez lui, mon courage à deux mains, je lui ai demandé si on était en couple. Il m'a dit non en me disant que c'était compliqué parce qu'on n'habitait pas dans la même ville, entre parenthèses, il est militaire. Et déjà, à partir de là, il a raison. Effectivement, c'est pas une bonne idée si t'habites en métropole et lui en Guadeloupe, c'est pas une bonne idée de se mettre en couple. Que lui ne comptait pas bouger et que de toute façon, il ne pouvait pas déménager dans les prochaines années. Entre parenthèses, moi je peux bouger. Oui, d'accord, mais tu peux pas bouger pour te mettre en couple avec quelqu'un avec qui t'as passé 2 semaines en fait. Tu peux pas aller t'installer de la métropole à la Guadeloupe parce que t'as un crush en Guadeloupe, tu comprends? Ce n'est pas possible. Et donc il a essayé de m'expliquer qu'il pouvait pas me répondre maintenant, blablabla. Et c'est à partir de là que tout s'est dégradé. Tu m'étonnes, t'as dû descendre de ton petit nuage. Il m'a dit qu'il n'était jamais tombé amoureux, sauf que moi, je suis déjà amoureuse. Et oui, mais malheureusement, tu peux pas forcer les gens non plus à tomber amoureux de toi. Depuis quelques jours, je suis la seule à envoyer des messages, et même s'il répond, c'est assez superficiel. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser. Hashtag demande à Nad. Ah bah t'inquiète pas, je vais te dire quoi penser. Ma chère Rebecca, j'ai l'impression que tu vis à 1000 lieues de ta tête. Où est passée ta raison? Où est passé ton sens critique? Parce que je vais te résumer ton histoire histoire que tu comprennes un petit peu là ce qui se passe. C'est-à-dire que t'es parti en vacances, t'as rencontré un mec là-bas, ok, très bien, tout s'est bien passé, ok, très bien. T'es rentré en métropole. Déjà, à partir de là, t'aurais dû arrêter l'histoire parce que tu sais qu'il habite en Guadeloupe, que toi t'habites en métropole et que juste. C'est compliqué, tu vois. Bon, trop mignon, t'as poussé le truc à fond, tu vois, tu t'es dit, allez, je vais repasser une semaine ou deux avec lui parce qu'il me manque trop. D'accord, ça s'est encore trop bien passé. Trop bonne nouvelle. Mais Rebecca, tu peux pas décider de te mettre en couple avec quelqu'un avec qui t'as passé 2 semaines, aussi magique soit-elle. Tu t'en rends peut-être pas compte parce que t'es un méga bisounours, mais juste, imagine-toi, il y a un mec qui habite à Tahiti, tu le rencontres en France, vous passez une semaine ensemble, c'est trop bien. Il revient te voir déjà, tu te dis, oh putain, il est vraiment mignon de revenir me voir et tout. Et là, il te dit, bon bah alors on se met en couple, ça te fait pas trop peur, s'il te plaît? Le mec, il habite à Tahiti, il a toute sa famille là-bas. Et il dit, non, mais moi, je peux bouger, hein, c'est pas grave si tu veux pas déménager. C'est trop flippant, Rebecca. C'est normal que le mec il ait pris peur. Et surtout, il a trop raison. Il est militaire. Il a pas le droit de déménager pour l'instant parce qu'il est militaire là-bas. Il va partir en mission. Et toi, t'es prête à déménager à l'autre bout du monde pour aller t'installer à côté de lui alors qu'il va être là 1 mois sur 2. Non mais. Rebecca, t'es beaucoup trop loin de la réalité, tu peux pas faire ça. Enfin si, tu peux, mais c'est complètement déraisonnable. Et puis surtout, t'es, moi je suis toujours à fond sur les idées de aller, il faut vivre les histoires d'amour à fond, nanana et tout. Mais juste là, en plus il t'a dit genre non, je suis pas amoureux, je suis d'ailleurs encore jamais tombé amoureux, et là je peux pas te répondre, je peux pas te dire qu'on est en couple. Enfin, il faut absolument que t'arrêtes ton délire. Et en plus, malgré tout ça, tu me dis toi-même, bah du coup je sais pas trop quoi faire. Mais moi je vais te dire quoi faire. Stop, stop. C'était bien, c'était une amourette de vacances, t'as vécu le truc à fond, t'es même retourné le voir, mais maintenant. C'est stop, c'est loin d'être l'homme de ta vie. Et de toute façon, parce que attention, ça aurait pu être possible que ce soit l'homme de ta vie. Mais si ça avait été l'homme de ta vie, il y aurait eu un déclic des deux côtés. Et un des deux aurait évidemment dit, ok, je suis prêt à bouger maintenant pour venir m'installer près de chez toi. Et l'autre aurait dit, ok, d'accord, je suis trop chaud, il faut absolument que tu viennes t'installer à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, bon, toi t'as manifestement eu le déclic, très bien, mais lui ne l'a pas eu. Donc à partir de là, c'est stop. Tu peux pas continuer à t'investir autant dans une relation qui n'existe pas, en fait. C'est une amourette de vacances, rien de plus. Alors, c'était peut-être ta première histoire un peu sérieuse entre guillemets, enfin non, même pas sérieuse d'ailleurs, c'était peut-être ta première histoire aussi passionnée, j'en sais rien, mais tu peux pas te laisser bercer d'illusions à ce point, ça n'existe pas. Il faut absolument que tu retrouves les pieds sur terre et que tu regardes ta situation avec des yeux d'adulte. S'emballer de cette façon là, non seulement ça fait peur à l'autre, évidemment, de toute façon, et en plus c'est déraisonnable pour toi, tu te rends compte? T'es prête à tout quitter, tes amis, ta famille, ton boulot, ton appart en métropole pour un mec qui est même pas encore
Respecte-toi, Rebecca. Fais-toi passer toi d'abord, d'accord? Parce que là, t'as complètement perdu ton sens des priorités et au-delà du fait que, bon, bah, pour cette histoire, de toute façon, c'est mort, ça risque de te jouer des tours par la suite, donc... Calm down, fais un peu de méditation, j'en sais rien, mais réfléchis sur ta situation, réfléchis sur la façon que t'as de t'emballer à ce point, parce que là, t'as complètement perdu les pieds sur terre, quoi. On enchaîne avec une question de garçon qui m'a l'air un peu perdu, c'est court mais intense. Salut Nad, cela fait bientôt 4 mois que je suis en couple et je n'ose pas dire à ma copine que je la trouve un peu trop possessive et jalouse et je ne sais pas comment m'y prendre, hashtag demande à Nad. C'est trop mignon. Et en même temps, si tu me dis déjà que ta meuf elle est jalouse, elle est possessive et qu'en plus t'oses pas lui dire ça... Elle doit avoir du carafon ta meuf, attention. Sauf que mon cher Alphonse, j'ai envie de te dire, t'as pas trop le choix. Parce qu'un couple, c'est évidemment basé sur la communication, c'est pas comme si je le répétais à chaque vidéo. Et si tu n'arrives pas à communiquer avec ta meuf, c'est forcément qu'il y a un problème. Et tu le dis toi-même, déjà elle est trop jalouse et trop possessive, mais en plus t'oses pas lui dire. Ça veut déjà dire qu'il n'y a pas de communication et qu'en plus elle te prive de ta liberté. Et elle te prive de ta liberté de communiquer. Donc j'ai envie de te dire... Alors oui, peut-être que ta copine elle est très jolie, peut-être qu'elle est très gentille, peut-être que t'aimes passer du temps avec elle et y a pas de problème avec ça. Mais il y a un moment, ta meuf elle sort avec toi parce que tu es toi-même. Et si tu n'oses plus rien dire, si tu n'oses plus rien faire, si t'oses pas t'exprimer, bah elle va s'ennuyer ta copine. Donc toi t'oses pas faire les choses parce que t'as peur de la brusquer, parce que t'as peur qu'elle prenne les choses mal. Et de l'autre côté, elle, elle va s'ennuyer alors que toi tu faisais ça pour lui faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu rentres dans une espèce de cercle vicieux où tu deviens complètement fade et elle, elle va complètement s'ennuyer. Et le pire c'est que c'est hyper délicat de ta part. Tu me dis que bon, t'oses pas trop lui dire, t'as peur de la vexer, j'en sais rien. C'est très mignon, tu vois, mais c'est important que tu sois capable de t'exprimer dans ton couple, parce que si t'arrives pas à dire à ta meuf que bon bah t'aimerais bien qu'elle soit un petit peu moins jalouse et un petit peu moins possessive, bref qu'elle te laisse un petit peu de liberté, bah c'est la preuve qu'il y a un réel déséquilibre dans ton couple et tu peux pas rester dans un couple où il y a un déséquilibre pareil. Un couple normalement on est d'égal à égal, alors oui il y en a un des deux qui sera un petit peu plus fort sur tel sujet et l'autre sera un peu plus fort sur d'autres sujets, tu vois, mais là tu m'as l'air carrément emprisonné et c'est pas normal, contrairement à ce que beaucoup de mecs ont tendance à penser, que se mettre en couple c'est se mettre en prison, que t'es forcément avec une meuf qui va te casser les couilles, etc. Ce n'est pas la réalité. Si lorsque t'es en couple avec une meuf, tu ressens que t'es en prison, que t'as pas le droit de t'exprimer, que tu peux pas faire ce que tu veux, que tu peux pas traîner avec qui tu veux, ça veut dire que t'es pas avec la bonne personne ou alors qu'il va falloir que t'aies une vraie discussion avec cette personne-là. Ce n'est pas normal de ressentir ça quand on est en couple. Donc Alphonse, no stress, il suffit juste d'attendre un moment où t'es en pleine conversation avec ta meuf, ou alors même encore mieux, j'allais dire n'importe quoi, tu la prends au fait, un moment où elle fera encore preuve de trop de possessivité ou trop de jalousie, tu pourrais lui dire, écoute ma chérie, je t'aime, je vais te rassurer sur ce que t'es en train de me dire, mais j'aimerais bien que tu me laisses un petit peu vivre aussi. C'est-à-dire que tu sois possessive et jalouse, je le comprends, j'imagine que c'est la preuve que t'as pas trop confiance en toi sur tel ou tel sujet, pas de problème, mais j'ai absolument besoin que tu me laisses vivre ma vie aussi, et j'ai absolument besoin que tu me laisses voir les gens que j'ai envie de voir. Bon alors c'est sûr que s'il s'agit d'aller tout seul au cinéma avec ta meilleure copine, je peux comprendre qu'elle soit jalouse. Maintenant, si elle est pas contente parce que tu vas passer des soirées avec tes copains, là c'est qu'il y a un problème, tu vois. Peut-être que tu peux l'inviter de temps en temps pour qu'elle se sente moins jalouse et pour qu'elle se sente moins démunie. Peut-être que tu peux beaucoup la rassurer aussi, mais il faut vraiment que tu apprennes à lui expliquer que cette façon de faire n'est pas la tienne et que t'es pas bien dans cette relation-là, parce qu'en fait, si tu continues de te taire, soit c'est elle qui va te larguer parce qu'elle va s'ennuyer, soit c'est toi qui vas la larguer parce que juste tu vas péter un câble. Dans tous les cas, c'est parce que tu veux, j'imagine, sinon ce serait pas ta meuf. Donc prends ton courage à deux mains et affirme-toi, c'est important. Et surtout, c'est ça la vie de couple. C'est pas que dire des mots rose de t'es belle, tu me manques, je t'aime. C'est aussi dire les choses de temps en temps et c'est important. C'est comme ça qu'on crée un couple. Et surtout, c'est comme ça qu'on le fait perdurer. Alors courage, tu peux le faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi, hashtag demande à Nad numéro 28. J'espère que toutes ces histoires t'ont intéressé, t'ont appris des choses ou t'ont aidé à y voir un peu plus clair sur je ne sais quoi. C'est quand même le but des ça veut dire quoi, hashtag demande à Nad. Et si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît. Fais-le vraiment, tu cliques sur le pouce bleu juste maintenant. Ça me fera drôlement plaisir parce que ça récompense mon travail et puis surtout ça me permet de savoir que tu l'as aimé. C'est d'ailleurs à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, hein. Donc fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner et tu cliques surtout sur la cloche juste à côté, ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo et comme ça tu n'en louperas aucune. Si comme tous les Alphonse et toutes les Gertrudes de cette vidéo tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras je fais toujours des stories, d'où l'intérêt de bien regarder les stories dans lesquelles je dis quelle vidéo je suis en train de préparer. Donc soit tu peux me raconter ton histoire via les messages privés comme pour les Problexo ou les ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, soit je mets une petite boîte à questions et là tu peux directement répondre dans la boîte à questions. Mais important, regarde bien les stories, c'est là et uniquement là que je dis quand je suis en train de préparer des vidéos. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est, enfin. Donc si tu veux absolument me raconter ton histoire, que ce soit par écrit, au téléphone, en visio ou même en vrai, c'est possible, je t'invite à aller voir mon site utilefutile.fr. Le lien est directement dans la barre de description et sans me la péter, il est plutôt bien fait, c'est assez pratique de s'en servir. J'ai déjà eu pas mal de réservations et vraiment c'est un plaisir de discuter avec vous en un par un. Vraiment c'est des supers expériences, c'est des supers échanges, donc n'hésite pas à venir t'inscrire, ça me fera drôlement plaisir. Et je rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a également les abonnés de platine et les mécènes. Je te laisse aller lire les avantages des abonnés de diamant, des abonnés de platine et des mécènes
mécène en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous des pouces bleus, il y a toute la liste des avantages. Mais en tout cas, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. Il y a une super ambiance sur le groupe et vraiment c'est hyper sympa. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, libre à toi. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous.